pour mener à bien la lutte contre la fraude lors des examens d'État et s'assurer du bon déroulement du baccalauréat, Jean-Luc Moutou a réuni tous les membres du jury de cette session pour les dernières consignes. Ces membres du jury ont été édifiés sur la responsabilité et la gestion d'un examen. Responsabilité, respecter toutes les étapes dans l'exercice de leurs fonctions et travailler en équipe. Il ne devrait pas y avoir de chevauchement dans les rôles des uns et des autres. L'intérêt de ce séminaire est de rappeler et renforcer nos moyens d'action quant à l'organisation réussie du bac, session de juin 2023. Au cours de cette rencontre, plusieurs intervenants ont exposé sur les différents thèmes, notamment le cadre juridique de l'organisation et le fonctionnement du baccalauréat, organisation de la direction de la lutte contre la fraude en milieu scolaire et le rôle des services de sécurité. Les participants, eux, saluent l'initiative. Nous sommes très ravis de ce qui vient de se dérouler, parce que ça édifie hein, tout chef de centre qui va justement tenir les séances d'examen. C'est vraiment édifiant. C'est toutes les composantes qui sont passées. 91 874 candidats sont inscrits à ce baccalauréat général, contre 94 498 l'an dernier. Les épreuves écrites vont démarrer le 20 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national.